Nishumon Liangong. Puis après, pas les 13 mouvements pour soupir, justement, parce que là, on ne le fait pas ce soir. J'aimerais bien faire la totalité des 10 ou des 12 mouvements du Shuerfa. Donc, on fait un Nishumon Liangong. On va faire les mouvements de la rate, parce que comme ça, je tiens quand même à rester vraiment dans les organes de la saison, donc de l'intersaison en l'occurrence. Puis après, on va faire les 12. Mouvements du Shuerfa. Et après, on finit, comme maintenant de coutume, avec la respiration bouddhiste. OK ? Allez, c'est parti. Travaille bien le centre, l'encombre de la main, de l'autre côté. Poignet. L'autre côté. Je me demande si je ne mettais pas un projecteur ici, ça serait un peu mieux encore. J'essaie toujours de trouver des astuces pour que vous soyez le plus confortable possible. Là, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est un peu trop orange dans l'image. Là. Mais bon, ok. L'autre côté. On y voulait. On me rapproche un peu pour que je sois plus grand pour certains. Voilà, on travaille bien. Le sacrum, le coccyx. Et vous, changez de sens. Poupitez. Et descendez aux chevilles. Lâchez bien les bras. Et hop, remontez. Roulez les épaules. On change de sens, en créant une bonne ouverture au niveau de la colonne. On fait une belle ondulation. Et on va travailler les cervicales. Donc on tire bien vers le ciel. On regarde tranquillement à gauche. Ou bien au centre et on regarde à droite. Et nous à gauche et on met le regard en arrière. À droite et le regard en arrière. La tête sur le côté. La tête de l'autre. Lâchez chaque fois l'épaule pour bien étirer. Encore une fois. De l'autre côté. On redresse bien et on descend le menton sur le sternum. On roule la tête pour étirer d'abord Baiyue et on met le menton vers le ciel. Encore une fois. On descend, on tire et on va vers le ciel. On roule avec le menton et vers en avant, revenir en avant. Voilà. Encore une fois, pour changer de sens. Dans le bas, on represse. D'accord. On pose la tête. Ouf. À gauche, en arrière. À gauche, à droite, pardon. En bas. Encore une fois. Fait trois fois. Chaque sens. Et le 3. Quand on arrive en bas, on change de sens.
On inhale bien. Et on va lâcher. Et on gonfle. Ouvrez la poitrine, fermez les poings, tirez bien, fermez le dos. Déverrouillez un peu les genoux. Et en arrière, regardez. De chaque côté. On lâche les mains. On ouvre les bras. Pour grand regard, le bras gauche qui fait un grand tour. On regarde le bras droit qui fait un grand tour. Les mains ici, fermez les poings. On ouvre, on monte, les mains s'ouvrent, on regarde la main gauche, on descend, les mains se ferment, on change de côté. Montez vers le ciel. Descendez. Montez vers le ciel. Je ne sais pas si vous le sentez, mais en fait, ça fait travailler à chaque fois les cervicales à gauche, à droite. Fermez les pieds. En avant. Sur le côté. En avant. Laissez les doigts légèrement entrouverts pour faire passer l'air entre les doigts. On va tout pousser en avant, tourner le corps au bassin jusqu'au cervical. On revient. C'est tourner toute la colonne. Ça fait briller la colonne complètement. On revient. L'autre côté. Et une dernière fois. Ouvre les jambes, là vous voyez bien les pieds. Par ici. Okay. L'autre côté. Voilà, pour l'instant, on va ranger les bras. On va descendre les genoux où ils se placent. On se met en pivot à gauche. On regarde, vous faites tourner la taille. Donc le bassin bouge, tournez la taille. Poitrine, regardez à gauche. On revient, on regarde à droite. Attention, rouge, mon genou là ne bouge pas. Attention. On revient au centre. On déplace. On va se mettre en pivot à droite. Genou ne rebouge plus. On tourne, on regarde. À droite, on revient, attention, les jambes ne bougent plus, on tourne, on regarde à gauche. Nouveau devant, changement de côté. Ancré par ici. Déplacé. Ancré à l'extérieur, à l'intérieur. On revient fermer un peu les pieds. Les mains au niveau de la taille, déverrouillé. Petit mouvement en passant. On ouvre plus grand. Poussez bien les pouces derrière avec les mains sur le côté pour à chaque fois bien agrandir le cercle, bien aller dans les limites du corps. On change de sens. Et on change de sens pour faire des petits mouvements et on revient tout doucement.
les mains, monter vers le ciel, on regarde devant soi, on ouvre les bras, on tourne, on se pose à plat, on relâche les bras, déverrouille les genoux et on. Là, on ouvre. Hop là. Relâchez, déverrouillez les genoux. Monte. Encore deux fois. On va fermer complètement les pieds cette fois-ci. On croise les mains. On pousse vers le bas. On est ici. 1, 2. Cinq, six. Sept, huit. On va pousser les mains en avant et soulever la tête en direction des mains. On descend, on pose les mains le plus près possible du sol. On tourne, on déverrouille les genoux et on remonte en déroulant la colonne jusqu'à ce que le bas soit bien étiré. Et de deux. Poussez. Posez. Montez. Encore une dernière fois. Lâchez les mains. Les mains au niveau des jambes. On va descendre. Les mains vont glisser jusqu'au niveau des genoux. On va continuer à s'accroupir. Les mains tournent. Donc là, vous voyez toujours l'entier. C'est ça qui est cool. On descend le long du tibia. On pose les mains sur le pied et on va pousser pour redresser. Encore. Glissez les mains jusqu'au niveau des genoux. Tournez. Descendez, posez les mains sur les pieds et poussez. Redressez. Encore deux fois. Glissez. Tournez. Glissez. Posez. Poussez. Une dernière fois. On descend, on tourne, on glisse, on pousse, on remonte et on lâche. Voilà. Donc dans les cours précédents, là on faisait les 13 mouvements pour soulever les corps, mais comme je vais travailler, vraiment, pas travailler, on va refaire les 12 mouvements on n'a pas le temps de tout faire. La semaine dernière, on a commencé à travailler la rate, donc on a fait les frappes qu'on va refaire. On a retravaillé vraiment la partie prendre les étoiles. Et là, ce soir, on va rajouter un mouvement. Et j'oublie toujours le mot, le nom de ce très beau colosse. C'est ce colosse pour canon. Voilà, le colosse Bawang. On va faire le colosse Bawang. Alors, je vous montre comment fonctionne. On va faire le colosse Bawang en premier. Les mains vont se mettre un sur l'autre, mais les paumes vers le ciel. D'accord? Là, je suis un peu on met les mains en point, comme ça. D'accord? Et on va les ouvrir et les glisser pour qu'elles aillent vraiment, vous voyez, une au-dessus de l'autre. Oui. À partir de ce moment-là, la main du haut va monter, les deux mains vont tourner et on va pousser en haut, en bas. On ouvre pas sur le côté pour changer. D'habitude, vous avez tendance à ouvrir comme ça, n'est-ce pas? Mais non, on va, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va ouvrir devant pour faire le point et ramener de nouveau sur le côté. On commence, il n'est pas compliqué, hein, de toute façon.
C'est Darwin de la rate estomac. Sont pas complexes. On revient, on glisse, on monte, on tourne, on pousse. Attention, ne montez pas l'épaule. Là, je vois Catherine qui a un peu l'épaule levée, j'ai l'impression. Non, ouais, c'est mieux comme ça. On ouvre de haut pour fermer les poings et les ramener à la taille. D'accord? Et après, on inverse. Après, c'est l'autre main, la main droite qui est au-dessus. On pousse. On revient devant pour fermer et ramener nouveau ici. OK? On fait une main, puis l'autre, puis on rajoute les jambes. Vous verrez, ce n'est pas compliqué. Les jambes, c'est comme un colosse. Donc, vous imaginez le truc du colosse. Hein, vous voyez les colosses grands, bien posés, genre sumo. Voilà, main gauche en haut. Poussez. Ouverture. On referme. Ici. Main droite. Ça fait. On va faire une ouverture pour qu'en fait on va ancrer sur une jambe, là en l'occurrence à droite. On ouvre assez large, un genre cavalier. On pose, on glisse le bassin au centre et on va descendre là, glisser, mettre l'énergie sur les genoux. Donc ça va bien travailler tout estomac, rate, tout ça. Et ensuite, on se met sur la jambe pivot, on revient et on monte. Attention, Catherine ne tombe pas. On recommence de l'autre côté. On recommence du côté. Donc, on ancre, on pose, on vient au centre, on pousse sur les côtés. Comme j'ai dit, hein, ça me fait penser à une cathédrale. C'est en fait, vous voyez les contreforts du bâtiment, il y a toute l'énergie du toit qui est poussée sur les contreforts. C'est exactement le même principe. On revient ici. De l'autre côté, on entre, on ouvre largeur cavalier, on glisse le bassin au centre et on pousse sur les côtés, les genoux vont bien au-dessus. Ça se voit bien sur l'image là. Enfin, mon retour d'image, en tout cas, je vois très bien. On bascule, pivot, on revient, à nouveau sur le dos. Le mouvement est très simple. On est ici. On va commencer par aller à gauche. C'est-à-dire, en fait, la main gauche va être en bas. C'est-à-dire que la main droite va être en haut. Donc, ça va faire ça. D'accord? On rajoute juste encore un petit point, la tête qui va regarder le côté où la main est en bas, donc le côté où on a ouvert. On commence du côté gauche. Donc la main gauche en bas. Comme tous les colosses. Ça travaille les jambes. De toute façon, on travaille les rates estomac, hein, donc c'est normal. Donc, on va à droite. Donc, du coup, c'est la main droite qui est en bas et la gauche qui est en haut. Et sentez bien vraiment l'énergie partir sur les côtés pour bien avoir les genoux en phase, c'est-à-dire au-dessus des pieds. Donc, ça travaille bien, bien, bien toute la partie des jambes. Ok? Ouais, ça travaille les genoux aussi, Catherine, apparemment, j'ai l'impression. Hein. Donc fais vraiment bien attention à bien placer le genou. Et si vous avez des problèmes de genou, hein, n'hésitez pas à ne pas descendre. C'est pas vraiment. Si, c'est important, bon, mouvement, bien sûr, vu qu'on veut travailler toute cette partie-là des jambes. Mais c'est sûr que ça travaille, ça va bien travailler
aussi les rotules, si les gens, vous voyez, excusez, mes chaussettes sont pas très design ce soir, mais hop, faut bien être bien au-dessus là, oui. Alors, on y va pour les trois mouvements de la rate. Donc le premier, on ouvre les mains et on tape. 1, 2, 6. 16, 17, 18, 19, 20. On ferme les poings. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Et les jambes, mains ouvertes sous les genoux. 1, 20. Fermez les poings. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Voilà. Normalement, ça travaille bien, toute cette histoire-là. Attraper étoile, tirez bien, ouverture revient dans le plan et glissez de lâcher l'autre côté. On fait deux fois de chaque côté à chaque fois. Tirez loin, bec d'oiseau, ouverture en arrière et glissez de. Relâchez l'épaule, coude, poussez, tirez les doigts loin, bec, en arrière, glissez. Encore une fois, à droite, poussez loin, bec, ouverture, glissez devant. Les poings, on fait le colosse, on va commencez à gauche, donc main gauche en bas. Attention, ceux qui ont des problèmes de genoux, descendez pas bas. Ou alors faites bien attention à bien ouvrir les jambes. À droite. À gauche. À droite. Et lâchez. C'est un peu le ventre. Moi j'aime bien en fait dans ce mouvement-là, masser, regardez, les mains sont ouvertes, posées, donc mon ongle est ici. On le fait comme ça. Ça travaille bien justement la partie rate, partie estomac. On travaille un peu tout ça. C'est pas plus mal. Ok. On va travailler. On va faire les 12 mouvements du Sherpa. Donc là, vous voyez bien, je crois que je vais mieux baisser un petit peu. Vous voyez beaucoup de plafond quand même, je trouve. Hein. Du coup, je peux avancer un tout petit peu plus.
Ok. Vous êtes prête? En fait, j'ai que les dames ce soir avec moi. Il n'y a que vous qui êtes assidus, en fait. Toutes mes félicitations. Et c'est parti, à gauche. Comme vidéo. Ouais. Tirer. Aller chercher au centre. Poser. L'autre côté. Pareil, on fait 4 fois, donc 2 fois de chaque côté si c'est latéral. Poisson yin yang se croise. Tirez bien à chaque fois et relâchez les deux épaules et du cou, les deux poignets jusqu'en bas et hop, à gauche. Ouais, Christine, les deux mains comme ça. Ah, ok, d'accord, t'as déjà fait, ok. T'es trop rapide en fait. Une dernière fois, droite. Le vieux coursier. Expirez comme avant, les deux jambes sur les genoux sur les pieds. Le ciel. Regardez par ici. On peut voir l'autre. Le pouls tiré avec la précision du cupidon ou tiré sur le pouls. N'oubliez pas, ce qui est très important, c'est
Poussez maintenant le talon droit pour bien être ancré sur la jambe gauche. Revenir sur le pivot gauche. Tournez le talon droit à nouveau. Recentrez et relâchez devant toi, Catherine. Et ici, continuez. Pivot droite. La jambe droite est à sa place. Le tournez bien. Le talon gauche. Tirez. Revenir sur le pivot droite au centre, posez. Une fois de chaque côté. Et poussez les bottes, les deux pieds sont joints. Montez très haut. Relâchez épaules, coude pour venir sur le côté. Glissez sur le côté. Tournez autour des pieds. Déverrouillez genoux, mes mains à main à bien. Tournez pour remonter. Et on masse bien tout le long le méridien de l'estomac. Voilà, ok. Tourne. On ferme le poing, on masse le côté. Voilà. Le rhinocéros regarde la lune entre les cornes. C'est bizarre, mais c'est pas grave. On pousse, on ouvre bien la poitrine. On ancre, on relâche. Je suis sur la comme dans le pou. Les talons tournent et je regarde. On ouvre la main de la tête. On revient et on pose les mains. On relâche, on est centré, on tourne bien le talon gauche et on regarde vers le ciel entre les mains. Ouverture du bas 45 degrés, paume vers le ciel. On revient, attention, je suis toujours sur le pied gauche, droit. Ici. Fleur de lotus. Alors ça, les six derniers, on l'a fait la semaine dernière. Donc ça devrait être tout facile pour tout le monde. On va chercher. Très haut vers le ciel. Et quand on ramène les bras, on ramène le pied. Le focus. Et pour le bassin. De chaque côté.
Le coq. Les oies sauvages atterrissent sur le désert. Troisième fois. De côté. Une troisième. La grue. Monter, lever les orteils. C'est bon. Ouverture. Monter sur la pointe des pieds. Le phénix. Et encore une dernière fois. On moissonne et on cherche. On ramène le dentier inférieur. On moissonne, on récupère tout ce qui de soi pour le tantien moyen. Et on récupère tout pour le tantien supérieur. Et on ferme. Autour du nombril, changer le sens. Finalement, le temps est pas tourné beaucoup plus vite que le pensait. Je préférais vraiment prendre du temps pour le Sherpa. Guide bien les mains dans la zone rénale. Glisser à l'arrière des jambes. Tourne autour des pieds.
salutations taoïstes. Et voilà, ça sera tout pour ce soir. Comme ça, on respecte nos horaires. N'oubliez pas.